de ces tutos pratiques. Alors je vous retrouve dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais tout simplement vous faire parvenir quelques petites astuces pour gagner des abonnés, donc des vues et donc aussi référencer votre chaîne YouTube. Donc voilà. On va commencer par une chose donc sur cette vidéo que j'ai déjà faite. Donc j'en ai fait deux comme ça, sauf que celui-là va être très complet. Donc je vais commencer par avoir un sujet, donc qu'est-ce que c'est les abonnés? Il y en a pas mal qui n'ont rien compris à ce que c'est des abonnés. Les abonnés, c'est tout simplement des personnes qui vont s'abonner à vos chaînes et qui vont suivre vos vidéos car ils les apprécient. Par exemple, ici, on a cet utilisateur ici qui... donc qui met « Je suis tout nouveau sur YouTube, allez voir ma chaîne gaming ». Lui, c'est quelqu'un qui veut... qu'on aille voir sa chaîne, et si on aime, ben, qu'on s'abonne à sa chaîne. Voilà. Donc lui, c'est bien parce que il met ça, donc c'est-à-dire si les gens veulent aller sur sa chaîne, ils y vont, et si ça leur plaît, ils s'abonnent. Ce qui fait qu'il a plus de chances d'avoir des abonnés actifs. Donc, avoir des abonnés actifs, c'est des abonnés qui regardent souvent vos vidéos. Ensuite, lui, il aura plus de chances de tomber sur des abonnés non actifs, par exemple des abonnés qui veulent avoir des abonnés, et puis voilà. Ça sert à rien ce qu'il fait. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je m'abonne à tous ceux qui s'abonnent. Mais ça sert à rien. Parce que si vous vous abonnez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous allez vous abonner. D'accord. Vous allez recevoir ces vidéos, mais vous n'allez pas les regarder car ça ne vous intéresse pas. Vous êtes juste abonné juste parce que pour avoir envie d'avoir des abonnés en retour. Mais ça ne sert à rien du tout. Parce que ces personnes-là ne vont pas s'intéresser à vos vidéos, mais va s'intéresser au nombre d'abonnés qui gagnent. Alors, je tiens à vous préciser que le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre d'abonnés actifs. Voilà. Et puis, de toute façon, entre les vues et les abonnés, c'est bizarre, mais le plus important, c'est d'avoir des vues. Ensuite, on a une sorte de tricherie, pareil que la précédente tricherie que je vous ai montrée, dont la vidéo d'avoir des abonnés et des vues, de mettre des commentaires comme ça de presque de spam. Donc là on est sur un site atmifast.com qui sert donc à gagner des vues, des likes et des abonnés gratuitement. Et donc je vous dis de suite, ça ne sert strictement à rien parce que c'est exactement la même chose. Là c'est même pire, vous allez carrément imposer à des personnes à s'abonner à votre chaîne. C'est-à-dire que vous devez liker, si vous voulez par exemple gagner des likes. Vous devez liker des vidéos des personnes et après, eux, automatiquement, vous fileront un like. Si vous vous abonnez à leur chaîne, vous gagnez aussi un abonné, des abonnés, tout ça. Mais ils ne le veulent pas. Non, en plus, ils ne veulent pas et non, en plus, ça sert à rien. Donc, s'ils voient qu'ils se sont abonnés à une chaîne qu'ils n'aiment pas, bah, ils vont de suite se désabonner. Donc, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez, ne vous inscrivez pas sur ce site. Maintenant, il est l'heure de passer à l'étape numéro 3, dont les méthodes pour gagner des vues et des abonnés. Donc, commençons de suite par comment avoir des abonnés. Donc, en travaillant déjà. Il faut travailler, il faut bosser pour avoir des abonnés. Il n'y a pas de secret. Ensuite, donc, on va commencer de suite par modifier sa chaîne et paramétrer sa chaîne au meilleur sens pour gagner des abonnés. Donc déjà, on va aller dans les paramètres de YouTube. Ensuite, on se retrouve tout simplement ici dans pas mal de choses. Nous, on va se retrouver dans les options avancées. Et ici, on aura les mots-clés de la chaîne pour que les YouTubeurs trouvent votre chaîne. Donc là, c'est les mots-clés que les utilisateurs, que les internautes vont taper sur leur outil de recherche. Et donc, vont voir vos vidéos et votre chaîne. Donc, ce qui va faire qu'ils vont s'abonner s'ils aiment vos vidéos. Ensuite, donc là, on va aller dans un endroit où il y a les vues et les abonnés en même temps. Donc, on va tout simplement aller modifier les paramètres des vidéos. Non, les paramètres de la présentation de la chaîne en tout premier. Donc, il faut avoir une belle bannière. C'est connu, il faut avoir une belle bannière et un joli avatar. Parce que j'ai remarqué que ouais, maintenant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui aimaient les chaînes qui n'avaient pas de joli avatar. Ensuite, il faut tout simplement avoir des belles miniatures sur ces vidéos pour avoir des vues sur ces vidéos. Ensuite, on va tout simplement modifier l'apparence de la chaîne. Donc pour ça, vous aurez un petit crayon ici. Vous cliquez dessus. Vous faites
modifier les paramètres de la navigation de la chaîne. Et là, vous cochez tout ça, d'accord? Parce que si vous vous abonnez à une chaîne, les gens vont le voir et vont aussi vont cliquer, donc voilà. Ensuite, donc là, vous cliquez dessus. Et là, le fichier parcourir, c'est vraiment très pratique. Vous faites activer. Vous, ce sera peut-être désactivé. Voilà. Tout fait enregistrer là pour que tous les paramètres s'enregistrent. Sur moi, c'était déjà fait. Ensuite, il faut faire une bande d'annonce. Moi, j'en ai pas encore fait une. Une bande d'annonce, en fait, c'est vous parlez entre autres de quoi parle votre chaîne. Voilà. Vous parlez de quoi parle votre chaîne. Vous faites une vidéo présentation de votre chaîne. Et après, vous la mettez tout simplement ici. Vous laissez ça là. Et comme ça, les abonnés auront envie de s'abonner à votre chaîne. Attention, ne faites pas une bande d'annonce avec un son critique de votre microphone. Faites un son, une qualité optimale, histoire que vos abonnés s'abonnent à votre chaîne. Enfin, les internautes s'abonnent à votre chaîne. Voilà, parce que du coup, ça gâche un tout. Si vous faites des vidéos de bien et la bande annonce, malheureusement, elle n'est pas top, eux, ils ne vont pas s'abonner parce que votre bande annonce sera mauvaise. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas encore de bande annonce. Moi, je veux que ce soit parfait. Voilà. Ensuite, on a tout simplement les paramètres de la vidéo, des vidéos à faire pour qu'on s'abonne à votre chaîne. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous allez dans gestionnaire de vidéos. Et là, on va par exemple prendre celle-là, la dernière ici, on va faire modifier. Ensuite, quand vous tombez sur cette page-là, vous allez tout simplement ici. Donc, ça. Oui, donc je préfère vous dire à tous, même sous cette vidéo, à mon avis, il y aura ça. Ouais, ça change. Bon, c'est pas vrai. Ça là, c'est juste RPM Network qui se fout une promotion sur mes descriptions. Donc, faites pas attention, c'est sur toutes mes vidéos. C'est pas moi qui le mets. Hein. Ensuite, donc, ce qui est très important là, c'est de mettre un joli titre. Genre, par exemple, le titre. Par exemple, allez, dans le bloc-notes. Si je mets ce titre-là en une autre chose, ça va pas donner envie de s'abonner. Les extensions à avoir absolument pour vos navigateurs. Si je fais ça, sans majuscule ni rien. Les extensions à avoir sur son voilà. Non, pas une faute quand même. Donc voilà. Donc ça, par exemple, moi si j'ai ce titre-là, je ne vais pas avoir envie de cliquer sur la vidéo. Par contre, un titre comme ça, j'ai envie de cliquer sur la vidéo. Pourquoi? Parce que là, déjà, il y a une majuscule. Là, il n'y en a pas. Ensuite, si vous faites des erreurs dans votre titre, là, ça va pas aller. Je préfère vous dire de suite. Ensuite, une petite étoile, ça fait plus stylé. Ouais. Parce que ça. On a envie de cliquer sur les vidéos, c'est incroyable. Et moi, j'avais pas vu ça avant. Ensuite, voilà. Et là, tuto Google, ça parle de quoi parle entre autres la vidéo. Donc, j'ai mis Google. Voilà. Là, c'est bon pour le titre. Il faut mettre un titre qui donne envie de cliquer dessus, tout simplement. Ensuite, on a la description qui est très importante. Donc là, on va aller directement sur la vidéo pour mieux voir. Donc, on est sur la vidéo ici. On va tout simplement donc aller donc dans plus et là on voit pas mal de choses. Donc là, si je vous rappelle, c'est pas moi qui l'ai mis. Si on clique ici, on tombe directement sur le site officiel d'RPM Network. Ensuite, donc là, alors vous devez peut-être vous demander ici, donc le titre, c'est la description. Donc là, vous voyez, il faut mettre en premier les mots-clés de la vidéo pour qu'on trouve votre vidéo plus facilement. Donc voilà, par exemple là, comment protéger son navigateur des sites malveillants. Comment protéger des publicités sur les sites web malveillants qu'avec des extensions. Comment supprimer définitivement les publicités sur Internet. Et voilà, donc ça c'est bien de faire ça parce que déjà vous avez des mots-clés dans la description et dans les premières lignes. Ensuite, donc, on va en profiter. Donc là, alors ensuite, quelque chose qui est très important, c'est de mettre les liens. Des liens. Alors des liens qui va permettre donc que les personnes se disent, tiens, lui met les liens, voilà, parce que une vidéo où il parle d'une chose et qu'il met pas de lien, c'est pas du tout très apprécié. Alors, vous mettez des liens,
voilà, plusieurs. Ensuite, vous essayez de mettre au moins une fois une de vos vidéos, vous voyez, par exemple, boost ta connexion, par exemple, mais une vidéo, parce que une seule vidéo, parce que sinon, ça peut faire trop, trop promotion de la chaîne, donc vous en mettez qu'une, et voilà, d'accord? Comme ça, les gens ne se diront pas, tiens, lui, il a envie qu'on regarde sa chaîne à tout prix. Non, parce que sinon, vous ferez qu'une fois et pas deux. Hein. Voilà, donc un seul lien comme ça suffit. Ensuite, donc là, les liens, vous mettez bien à quoi servent les liens, parce que comme ça, les gens ont envie de regarder la description. Voilà, mon site, donc faites un site web. Voilà, d'accord? C'est mieux. Essayez de faire un site web assez bien. Hein? Voilà. Ensuite, bon, le site web n'est pas officiellement obligatoire, mais peut quand même faire réussir que les personnes regardent vos vidéos. Ensuite, vous mettez un petit mot derrière, là, bon visionnage. Voilà. Ensuite, les likes, c'est très important. Alors, comment gagner des likes facilement? On va pas aller sur AdmiFast pour gagner des likes. On va tout simplement mettre un petit truc ici et dans les annotations, on va. Mais vous voyez, attends, un moment, j'ai mis une annotation qui va dire 1000 likes est égal tuto co complet pour booster le PC. Donc, mettez des... bon, je ne sais plus à quel moment apparaît cette annotation, mais j'ai mis aussi dans la description. Et là, vous voyez, 1000 likes est égal tuto complet pour accélérer son PC. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, même 150 likes est égal tuto pour. Voilà. Après, vous voyez, c'est à votre guise. À votre guise. On tourne sur nos paramètres. Ensuite, on a les tags qui sont très importants. Donc, les tags, c'est tout simplement les recherches les mots-clés que vont effectuer les internautes. Voilà. Donc vous mettez voilà, les mots-clés les plus importants de votre description et de votre titre. Par exemple, si je veux mettre extension, je vais mettre logiciel. Même si c'est pas de logiciel. Par exemple, si je recopie le titre, mais à chaque mot séparé. Vous voyez, donc clé, voilà, à avoir pour ici, espacer des virgules, bien sûr. Et je vais mettre une fois extension et une fois logiciel. Parce que c'est un peu ça. À avoir, donc je mets à. Avoir à obtenir, enfin voilà, après vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez tout simplement la rendre publique ou privée ou non répertoriée. Ensuite, il y a une chose qui est très 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 bien, mais bon, ça c'est quand on la publie, c'est tout simplement de la mettre de la programmer. C'est ce que je fais moi quand je vous dis qu'il y a une vidéo dans le flux. Je vous dis souvent, une nouvelle vidéo arrive dimanche à telle heure et tout. Donc, et ça, j'arrive à la programmer. Par exemple, je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Et après, je vais la programmer à tel jour, telle heure. Mais là, je ne peux pas le faire puisque la vidéo est déjà mise en ligne. Est déjà programmée et déjà publiée. Ensuite, vous pouvez tout simplement la mettre aussi dans vos playlists. Alors, les playlists, je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a terminé ça, alors pour ceux qui sont partenaires avec... Alors oui, donc, excusez-moi, j'ai totalement oublié. Tout à fait, excusez-moi. À la place de 4 photos, vous en aurez 3. Et puis après, il y aura écrit modifier miniature. Voilà. Avant, c'était que les partenaires YouTube qui pouvaient le faire. Mais maintenant, c'est tout le monde. Voilà, tout le monde peut le faire. Donc vous faites tout simplement... Enculé, ça me saoulait ça. Vous faites tout simplement modifier l'image et puis vous aurez pas mal de choix. Enfin voilà, vous créez votre miniature. Un lien de ma vidéo pour créer une miniature sera dans la description. Voilà. Ensuite, donc là maintenant, ça qui est fait, on va tout simplement passer à une méthode simple pour gagner des abonnés, des vues et des abonnés. Ouais. C'est tout simplement la méthode des playlists. Alors les playlists, sachez que c'est très 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 réputé pour son efficacité. Parce que regardez, si par exemple je vais mettre qu'un lien, là, par exemple là le lien, c'est pour booster son PC. Alors, attends.
Là, d'accord? C'est où est-ce qu'il est? Je sais plus, j'avais mis un lien. Voilà, boost ta connexion internet. Donc tout simplement, si je clique dessus, je vais tout simplement tomber sur une playlist. Tout simplement ici, vous voyez, donc la vidéo elle est là. Et sinon, à la fin de cette vidéo, ça recommence du début. Et voilà. Donc là, c'est pour optimisation système que j'ai créé une playlist. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, là on a pas mal de choix ici, d'accord? Et voilà, donc ensuite on peut cliquer et là ça optimise vos vues. Ensuite, on a tout simplement ici. Donc comment la créer? Donc là, vous n'aurez rien. Vous créez plus nouvelle playlist ou nouvelle playlist. Vous faites nouveau. Vous faites le titre. Donc moi, je sais pas, je vais mettre autre. Là, cette playlist, je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire créer. Ensuite, ici, je vais tout simplement. Donc là, ça nous dit bien que cette playlist contient aucune vidéo. On va cliquer tout simplement sur là et on va mettre la description. Je vais mettre autre aussi, mais bon, vous mettez une bonne description. De quoi parle votre playlist? Qu'est-ce qu'il y a en gros dans votre playlist? Ensuite, on fait terminer. Donc là, on va tout simplement, pour mettre des vidéos dans la playlist, on va tout simplement aller dans votre bouton là. Ensuite, vous cliquez sur gestionnaire de vidéos. Ensuite, vous prenez les vidéos que vous voulez ajouter dans votre playlist. Par exemple, moi, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, celle-là. Vous voyez, j'en ai choisi trois. Et vous faites tout simplement playlist, vous cliquez dessus et vous cliquez sur autre. Et voilà. Les vidéos ont été ajoutées à la playlist. Donc pour voir si la vidéo a bien été ajoutée dans votre playlist, vous avez ici donc si c'est pas déroulé, normalement c'est déroulé. Si c'est pas déroulé, vous le déroulez en cliquant sur la petite flèche qu'il y a là. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur playlist. Il se trouve ici là. Et là, on tombe, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis les trois vidéos sur l'autre. Et quand je clique dessus, j'ai juste, voilà, donc tout ça. J'ai juste à cliquer sur tout regarder ici. Et voilà. Donc là, j'ai toutes ces playlists. Ensuite, si je veux, par exemple, je prends, allez, ce lien. D'accord? Pour ma nouvelle intro. Je vais tout simplement prendre le lien qu'il y a là. Le lien de la playlist avec la vidéo. Donc la vidéo sélectionnée. Et hop, on copie-colle. Coller le lien, donc je vais le coller là hein, pour que ce soit plus rapide. Coller et hop, on fait entrer, et là voilà, ça nous retombe sur la playlist tout simplement. Et si par exemple, un truc par contre, la vidéo originale sans la playlist, d'accord, qui est toujours dans vos gestionnaires de vidéos, par exemple, je vais prendre, allez hop, je vais aller dans le gestionnaire de vidéos. Je vais prendre par exemple celle que j'ai mise, donc laquelle il y avait celle-là. Si je clique dessus, je vais tomber pas sur la playlist, mais normal. Voilà. Faut copier-coller le lien pour tomber sur la playlist de la playlist. Tout simplement. Ensuite, ce qui est important pour avoir des abonnés et des vues et des likes et des commentaires, c'est d'avoir une très très bonne qualité. De la vidéo. Si vous avez une qualité en 144p, vous pouvez être sûr que vous aurez des pouces rouges, ça c'est sûr. Et faut aussi essayer de maintenir donc la bon, 720p ou 1080, pas du 420p s'il vous plaît. Ensuite, faut essayer de maintenir vos abonnés pour qu'ils commentent. Donc les inciter à commenter, soit dans la vidéo, leur dire, hein, ou soit le dire dans la vidéo pour commenter et aussi le mettre dans la description. Ce que j'ai fait ici. Mais bon, j'ai arrêté de faire ça parce que maintenant je le dis dans la vidéo de commenter. Ensuite, on a tout simplement aussi pour gagner des abonnés, c'est mettre son Twitter, son Facebook, son Ask, enfin tous ses réseaux sociaux et dire de s'abonner dans sa description qui permet aux abonnés de s'abonner, enfin aux internautes de s'abonner s'ils veulent s'abonner. S'ils veulent pas, malheureusement, ils veulent pas. Ok? Donc, et voilà. Donc, lire la description, c'est très important de le mettre. Voilà.
Ensuite, on a voilà, la qualité, dire qui s'abonne, et puis normalement tout est bon. Ensuite, il y a des trucs qui il y a des manières qui sont très pratiques. Alors, une autre astuce, c'est de mettre des annotations. Moi, je le fais pas forcément tout le temps, mais je le fais de temps en temps. Voilà, parce que moi, je trouve que ça ne, tout le monde dit que ça fait quelque chose, mais je trouve pas trop. Ça fait quelque chose, mais oui et non. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour mettre des annotations. Donc, des annotations, ça sert à quoi? Soit vous pouvez tout simplement mettre des annotations qui vont ramener faire une vidéo à vous. Donc voilà. Ou ça va servir pour mettre des infos. Donc ça sert pour mettre des infos. Mais à part si les personnes n'aiment pas les annotations et qui cliquent tout simplement pour ne plus avoir des annotations. S'ils choisissent de plus avoir des annotations. Voilà. Après, c'est son choix. C'est pour ça que je dis ça ne sert parfois à rien. Parce que parfois je mets des informations dans les annotations et on me demande la question justement si on me dit ouais pourquoi il n'y avait pas ton intro au début alors que j'ai mis en annotation juste au début de la vidéo que à cause d'une erreur d'un montage je n'ai pas pu mettre mon intro et on me pose la question sur les commentaires. Ce qui veut dire c'est qu'il a désactivé la fonctionnalité des annotations. Donc il a le petit problème des annotations. À bientôt à mon avis ça existait des annotations que imposé, c'est-à-dire t'as pas le choix. Donc ensuite, je tiens à préciser donc que je vais vous montrer comment faire les annotations. Alors vous allez tout simplement sur votre vidéo et vous allez cliquer ici sur annotation. Quand on est ici, on va cliquer sur annotation donc et là vous choisissez ce que vous voulez mettre ou faire. Par exemple, on va faire remarque. On agrandit notre annotation si on veut que ce soit plus ou moins grand. Ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut que notre annotation apparaît. Voilà. Moi, j'en ai une annotation ici, vous voyez. Oui, donc ça aussi, c'est important, les outros. On appelle ça des outros. Voilà. Et là, on peut utiliser des annotations. Bon, l'outro, moi, j'utilisais, mais j'utilise plus parce que ça me faisait trop chauffer mon ordi. Voilà. Donc là, on a une annotation avec la vidéo à l'intérieur, mais sans, on peut le faire qu'avec Sony Vegas et Camtasia Studio 8. Mettre une vidéo sur une vidéo un petit. Puis voilà, donc vous voyez, j'ai mis des annotations ici pour cliquer dessus et pour donc tomber sur la vidéo mise en question ici. D'accord, donc là, si je dis regarde, n'oublie pas de regarder ma dernière vidéo, si je clique dessus, ah bien non, je peux pas puisque c'est l'exemple. Bon voilà, désolé, bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, on déplace notre annotation. Vous voyez, on déplace notre petite info qu'on veut mettre. Voilà. Ensuite, on va tout simplement soit l'agrandir, si on veut qu'elle dure plus ou moins longtemps, et mettre des petits blablas dedans. D'accord? Et si on veut pas mettre des blablas, on va tout simplement mettre, par exemple, abonnez-vous. Voilà, on va agrandir le texte. On va mettre une couleur quelconque, hein, comme vous. Moi je vais mettre du rouge et je vais le mettre à la fin de la vidéo. Là. Et je vais un peu le. Voilà. Et je vais mettre un petit effet en cliquant sur personnaliser en impact qui donne un meilleur effet. Donc là, si je fais ça, je vais arrêter un peu pour que ça donne un peu mieux. Pour être ici, vous cliquez sur les petits carrés qu'il y a sur le côté là. Et voilà, donc là, abonnez-vous, ici, hop, en plein milieu. Et là, ça peut donner envie à des gens de s'abonner, ça leur évite de cliquer en bas. Donc ensuite, comment on fait pour mettre un lien dedans? Vous êtes tout simplement à aller cocher juste ici, lien. Et là, vous êtes tout simplement allé sur la dernière vidéo que vous avez faite. Vous allez faire copier. Et là, vous allez coller. Et là, vous allez tout simplement, pour que ce soit mieux pour l'utilisateur, pour éviter de quitter la vidéo, vous allez faire ouvrir dans le lien vers une nouvelle fenêtre. Et si on teste, moi je vais faire enregistrer, publier. Donc c'est à partir de 2,57, d'accord, 2 minutes 57. On va tout simplement aller dans la vidéo. On va aller voir si tout est bon. Donc 2 minutes 57. Vous voyez, voilà, 55 même.
Voilà, donc là, on peut voir que à partir de 55, voilà, ouais, là, si on clique dessus, non, excusez-moi, autant pour moi. Si je fais par exemple abonnez-vous, excusez-moi, c'est vraiment autant pour moi. C'est faut que, donc que je croie dans annotation. Si par exemple vous êtes trompé, hop, vous allez aller en bas là ici, vous allez double-cliquer sur votre annotation. Donc abonnez-vous, c'est pas un lien d'une vidéo, mais un lien d'une chaîne. Donc tout simplement, vous allez aller sur votre chaîne. Donc, hop, tac. Je copie-coller le lien qui se trouve ici. Donc je colle juste là pour ben, ouvrir le lien. Tac. Et là, vous allez voir, j'ai publié. Et là, je vais aller à 2 minutes 51. Si je clique dessus, ça va normalement m'amener sur, voilà, sur ma chaîne. Et là, on aura envie de cliquer sur s'abonner parce que on tombera sur une bannière qui est jolie, on tombera sur un avatar qui est beau, une miniature qui est plus ou moins belle. Voilà. Donc, après, voilà. Donc, c'était tout pour ce grand tutoriel qui a duré 29 minutes, donc 30 minutes pour arrondir. Donc, je vais quitter ça. Donc, sinon, je vous remercie pleinement à vous, mes abonnés actifs, de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me rend vraiment, vraiment ravi. Voilà, donc soyez juste actifs, comme je vous l'ai précisé dans l'explication précédente. J'espère que vous aurez retenu quelques petites astuces, hein, qu'il faut déjà quelques petites choses qu'il faut pas déjà s'abonner par intérêt à des chaînes, hein, surtout parce que sinon les personnes vont pas regarder vos vidéos, tout ça. Puis voilà, ça sert à rien d'avoir des abonnés comme ça. Donc sous cette vidéo, il y aura des commentaires du genre abonnez-vous, je rends, ça je le sais, mais bah, ça sert à rien. Ensuite, je vais vous présenter ma chaîne, ma chaîne, ma mon site web. Donc et voilà, on se retrouve sur mon site web, donc qui est maintenant terminé officiellement, que j'ai retouché un petit peu, qui n'était pas comme ça à la base. Voilà, donc allez-y, hein, si vous trouvez qu'il est bien, mettez-le-moi dans la description. Donc on a, donc là j'ai mis une petite vidéo de présentation, enfin de présentation non, mais voilà, ma dernière vidéo sur ma chaîne. Je mettrai aussi peut-être des vidéos qui sont pas sur ma chaîne, d'accord, que vous retrouverez juste ici. Par exemple, je sais pas, je verrai. Ensuite, voilà, il y a ensuite ce que je fais sur cette page. Ensuite, on a mes tutoriels. Donc là, on va tous mes tutoriels ici, vous voyez. Là, on a juste à cliquer dessus. Et là, si on clique dessus, par exemple, si je vais cliquer moi dessus pour visionner tous mes cracks, je vais cliquer dessus et je vais me retrouver ici. Et je suis sur une playlist. Et là, vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas affiché les autres vidéos. Et là, on est dans une playlist. C'est-à-dire quand ça va terminer, celle-là va démarrer, etc., etc. Voilà. Donc, là, vous cliquez dessus pour tomber. Ensuite, si vous voulez me demander, me faire des demandes de tutoriels ou bah, des messages normaux, vous avez juste à mettre votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Votre adresse aussi, c'est pas obligatoire. L'objet, c'est obligatoire. Et la demande est obligatoire aussi. Donc la demande, soit du tutoriel ou des messages. Donc là, vous pouvez ainsi me joindre aussi sur Facebook, Twitter et YouTube. Et voilà, donc là, on a aussi T6, le logo de mon nouveau pseudo, que je vais bien sûr mettre marqué comme officiel quand je pourrai changer le nom de ma chaîne YouTube. Et là, il y a marqué quand même tuto pratique pour bien préciser que c'est moi. Et voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été vraiment utile. N'hésitez pas à m'ajouter si vous le voulez sur Facebook, en sachant que vous êtes pas mal à me demander. Et ensuite, commentez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie, je répète.
Et puis voilà. Allez, ciao!